visite-nous ce matin, puissamment. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Quel que soit problème qui entre là à matin, quelle que soit difficulté qui présente matin, qui présente matin dans les cœurs, demande au Seigneur, prends contrôle pour nous-mêmes, pour nous autres là, bénis, sanctifiés, édifiés. Dans le beau nom de Jésus, nous prions. Amen. Mais pas
éternellement et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous approchons la présence. Nous approchons la présence où nous avons supplié dans le nom de Jésus-Christ, acceptez-nous. Seigneur bon Dieu, nous connaissons que nous ne sommes pas capables de venir en présence, non, si pas qu'on sent écouler qui vous permet que matin, dans le nom de Jésus, nous ayons accès au trône de la grâce. Merci pour péché nous pardonner. Merci Seigneur Dieu, dès que retirez-nous dans le monde là, ou arrachez-nous dans le monde perdu et ou transportez-nous dans le royaume du Fils de ton amour. Merci pour cette grâce infinie. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grande miséricorde. Merci pour ta patience envers nous. Bon Dieu, nous conscients, nous faisons des choses qui parfois plaisir dans le comportement, nous, dans l'attitude, nous, dans la réaction. Nous. C'est avec justice, oui, que nous passons des fois quelques frettes. Mais bon Dieu, même Jean-Pierre te dit, l'école te dit, oh, nous avons suivi parce que nous mangeons un pain. Nous te fâchés au vieux de aller. Ou des disciples, pour que ça ne nous parle tout. Pierre te répond pour Dieu. À qui irons-nous, Seigneur, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Maintenant, pendant nous approcher la présence du Seigneur Dieu, nous demandons pitié pour chacun de nous qui l'a matin. Par des souffrances, nous péchés, nous mettons en prie. Usez de compassion envers nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Lavez-nous de péché, nous purifiez que nous, purifiez pensée nous. Dans le nom de Jésus, matin, nous avons supplié. Voyons le vent chaud, le vent d'Orient. Tout criquet ennemi a été pour ta nuit, nous empêcher d'avancer, empêcher de servir. Tout gemme de maladie qui t'a là, qui a nuit nous. Et c'est tout ça qui s'est résultat à pécher nous. Fais-nous grâce. Voyons le vent chaud, chassez-le. Et permettre matin de garder nous bien. Car il est toujours bon pour notre présence. Seigneur Dieu, on connaît que chacun de nous qui l'a. Pas qu'on côté nous qu'à cacher pour parler nous. Dieu sous nous en tout temps, en tout lieu. Nous prions matin, Seigneur, pour l'Église. L'Église a besoin. Oui, nous besoin, Seigneur. Aidez-nous pour nous comprendre la nécessité pour nous mener une vie qui est droite. Aidez-nous comprendre la nécessité pour nous mener une vie qui semble à vie pâle. Parce qu'on quitte dans le monde comme sel pour nous assaisonner le monde. Mais en pile fois, nous perdons du goût, nous perdons du saveur. Créons-nous un cœur pur. Renouvelons-nous un esprit bien disposé. Soufflez la vie dans nos matins. Permettez, Seigneur Dieu, que nous puissions retrouver joie. Matin, Seigneur Dieu, nous prions particulièrement pour les dirigeants de cette assemblée. Qu'on mette là, parce que y a un rôle important pour recevoir la main pour nous. Nous prions pasteur Désiré, à famille. Nous prions pour serviteur, bali toujours grâce nécessaire, bali intelligence, sagesse pour diriger l'assemblée. Et des bien-aimés, vous mettez bon côté des collaborateurs. Parce que les pasteur Richer et tant d'autres, par leur grâce, par leur intelligence, leur sagesse, leur famille, leur mère. Seigneur Dieu, nous prions pour chaque monde qui l'a qui a traversé un moment extrêmement difficile dans l'existence. Qui va comme ça pour faire? Mais le chrétien, quand il dit à qui crier, à qui aller, mais il y a un recours en même. À qui aller pour les refus se trouver et en besoin d'un ami pour m'aider, qui prendra ce nom Jésus-Christ. Heureusement, maintenant, nous avons gagné Jésus comme ami. Les problèmes nous présentés nous pas fait être nous mal. Les problèmes nous présentés nous pas fous. Parce que nous avons pris tout pour nous déjà à la croix. Seigneur, donne-nous notre travail nous, qui fait face à de grandes difficultés. Donne-nous la caille nous, eh bien, qui a confronté des problèmes.
de tout genre. Problème peut-être financier, problème guérin, nous peut-être qui sur le point de divorcer. Il est nous comprendre, Seigneur Dieu, c'est un ennemi qui a fait cela. Ce n'est pas la volonté pour une bonne décision, ça. Maintenant, invite-toi, Seigneur. Sans ta présence, nous ne pouvons faire rien de sérieux, rien qui est bon. Parce que présence où il y a la paix, présence où il y a la joie, présence où il y a la protection, présence où il y a la provision, nous avons besoin maintenant. Parce qu'il y a la famille, Onéus, nous avons besoin. La famille seule, nous avons petit qui est en difficulté, nous avons besoin. Maintenant, Seigneur Dieu, nous pas qu'à prier, nous, ça ne pas songer frère, nous, qui sont nous, qui hospitalisés et qui ont été très critiques. Le docteur dit pas quelque chose pour nous encore. Mais à qui perd tout, Dieu reste encore au cabal de la vie. Gagnons nous qui est petit, nous en prison, on a prié. Yo, pas juger, yo, nous nous faire grâce, Seigneur Dieu. Ben, nos chances encore. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous connaissons qu'on peut souffrir ou paraître indifférent. Ou te dire à Moïse, moi, ouais, souffrance propre, mais qui est en Égypte, moi, douleur, la souffrir, souffrance, nous descendons pour me délivrer. Maintenant, nous besoin de descendre, oui, parce que nous avons besoin, Seigneur. Nous besoin de descendre dans le pays, nous, Haïti, pour porter, Seigneur Dieu, solution à la difficulté que le peuple a fait face. Nous avons évité des paroles qui vous déplaisent. Mais Seigneur Dieu, nous avons campé et nous y sommes. Nous connaissons la situation qu'a présentée. À la vie, ceux qui sont pour la vie. À la repentance, ceux qui sont pour la repentance. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Et à l'épée, ceux qui sont pour l'épée. Nous ne connaissons qui savoir faire. Mais nous demandons autant prier une intervention miraculeuse en faveur de notre chère patrie. Amen. Nous prions pour le pays côté nous y a que t'es d'accueil. Ou t'es dit avec le peuple Israël, en esclavage, en captivité en Babylone. Côté nous y a bonheur dépend de là. De nous prier pour le pays ça, pour voir qu'après, une décision qu'après. Père, que ces décisions soient Dieu soit prise. De façon que le peuple, bien le peuple. Nous prions en fait pour toutes les églises évangéliques. Nous prions particulièrement pour l'église universelle à travers le monde. Père, nous te merci. Nous comptons, oui, parce que c'est un Dieu, ou c'est maître, ou c'est Seigneur. Maintenant, si il y a nous qui venons à l'église en découragé, et encore plus, si il y a nous pour qu'on fait la paix avec vous, comme maître Seigneur, permet que à travers le message parole, qu'on va toucher, et on va passer de ténèbres à la merveilleuse lumière. Ô notre Dieu, nous te réclamons toute cette grâce, non en vertu de nos mérites, mais au nom et par les mérites infinis de son Jésus-Christ, lui qui vivrait avec toi dans tes parfaites l'éternité. Amen. Ouais, t'as voulu dire où ça Jésus fait pour que moi depuis moi t'es joigné comment on mis moi qui t'a m'expliqué comment la vie me changeait complètement. Bye.
sous parole, mon Dieu. Seigneur, prends parole au matin, bénis le nom. C'est vous-même qui, par moyen cet esprit, dans nos paroles, ça. Prends le déposer sous table cœur le matin. Nous besoin de Jésus. Revêtir-nous de puissance. Pour parole capable à joindre nous avec puissance, avec force. Dans notre Jésus, nous prions. Amen. Amen. Jusqu'à présent, je pensais à un message pasteur Richet a prêché dimanche dernier. L'autocritique, le chemin d'une bonne résolution. Il ne faut pas oublier le message, non? Et, mais maintenant, je vais parler sur l'autre sujet, Capedo également. Et pour ce faire, je vais demander pour tourner Bibou dans deux passages. Le premier passage là, c'est dans Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Et passage ça a lié en pile principe là dans nous. Moi, je voulais même avec vous nous tirer des leçons de principe dans Genèse chapitre 14. Je vais appeler quelques versets parce que son chapitre qui est long. Et il parlait de l'eau et de Abraham. Je vais quitter un bon contexte là pour ne pas lire tout le chapitre là. Le contexte là, c'est que l'eau, c'est neveu Abraham. C'est petit frère Abraham. Vous songez que Abraham est sorti dans le pays Ur en Chaldée. Bon, j'ai dit Abraham, suive-moi, ma père de une grande nation. Toute famille qui souhaitait à bénir dans le nom, nous songez ça. Abraham était déplacé, sorti la Kali avec papa lui. Papa était mort pendant la dans route, Tera. Et puis, il était l'eau avec lui, avec madame lui, parce qu'Abraham n'était pas de petit, avec serviteur. Et m'a rappelé que Abraham, t'es arrivé dans le point, t'as un problème entre lui-même et l'eau, avec tout serviteur l'eau, le serviteur palio, et yo chaque t'es choisi en bas pour vivre. Abraham t'es arrivé côté pâle, et puis l'eau t'es choisi les plaines de Sodome et de Gomorre. Dans le contexte histoire, il est arrivé que pendant l'eau et à héberger Sodome et Gomorre, et l'eau t'es gagné yon place assez importante à Sodome et Gomorre, il est arrivé que gagnant un roi qui font coalition et l'attaquer Sodome et Gomorre et ils ont kidnappé l'eau, ils ont kidnappé madame ni à tout royaume, ils ont pillé pays et voilà que Abraham gagne un monde qui al dit mais ça passé Famonan, yo kidnappé Famonan, yo volé tout ça gagné, li subi même sort avec un pile monde qui dans Sodome et Gomorre. Et c'est avec contexte ça et m'a seulement lire quelques versets et à pied joint et puis n'a tombé dans ça que le besoin. Genèse 14 verset 1. Dans le temps d'Amraphel, roi de Chinéa, d'Arjok, roi de Lassar, de Kedor la Omer. Ouais, j'en non exact difficile. Kedor la Omer, roi de l'âme et de Tidéal, roi de Gojim. Kedor la Omer. Il arriva qu'ils firent la guerre. Monsieur Savé ensemble, ils fait la guerre avec Abéra, roi de Sodome, Bircha, roi de Gomorre, Achinéa, roi d'Abna, etc. Et bien, tout nos aïeux. Monsieur rassemblé, ils fait la guerre. Et tandis que ça que verset a dit, pour verset 8, Mbralvin. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, roi Sayo, ils ont fait coalition, ils ont attaqué le roi de Sodome. Mais pas oublier, l'eau ne veut Abraham, non, qui côté le rété? Sodome. L'eau a le rété mauvais côté, quelque chose s'est passé côté là, ou prend, pas bon que là, ou prend un chaud. L'eau prend un chaud. Alors, faut qu'on. Comment on prend le traduit en anglais, l'eau prend un chaud? Ou à guerre pour comprendre. Ok, on parle de « The hit was on for low », il y a quelqu'un qui pense que c'est « Miami hit ». Et puis, on parle de « Miami hit ». Regardez, il n'y a pas de créole, il n'y a pas de traduit. Ok? Il n'y a pas de traduit. En tout cas, l'eau n'a pas de problème.
Verset 8. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, où il fait coalition, etc. Le roi de Séboïm et le roi de Béla, qui est Tsoa, et ils se rangèrent en bataille, etc. Contre qui laisse? Contre qui est dans la Homer. C'était responsable Sodome. Tandis que ça qui passe, alors, il n'y a pas de lutte sur Sodome, c'est lutte qui fait coalition. Et tandis que ça dit là, verset 10. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prit la fuite et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Monsieur Nangoumé, il courut pour ennemi, le roi Sodome, il a couru, il tombait dans un puits qui chargeait avec Golabou. Et puis, Gonvaleur, et dans le monde qui était avec lui, qui courut, il tombait tout, quelqu'un qui prend route mon pour yon. Mais tandis que ça dans le verset 11, c'est ça qui a attiré l'attention. Son goumèk là, son bataille là. Des rois qui font coalition, ils ont attaqué Sodome et Gomorre, côté loyer. Ce pas monde qui connaît l'Ancien Testament, on a dit histoire ça à côté de sorti. Mais les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre. Mais on note ça. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre. Et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils ont pillé ville là, ils ont pillé pays. Deux villes. Verset 12, mais ça qui passe. L'on servit de bon Dieu petit, puis on a été mauvais côté, tout ça qui passe côté à l'autre dans la donne. Il n'y a pas de volonté de bon Dieu pour l'autre à la Sodome. Mais là, elle est là, mais pas l'autre. Et l'autre, c'était gros magistrat à Sodome. Verset 12 dit, ils enlevèrent aussi avec ses biens, qui est-ce qui ont enlevé? L'eau, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Verset 13 dit, un fuyard, il n'a pas eu qui courit, qui t'échappait, vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Et celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'amoréen, frère d'Escol et frère d'Abner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dans le monde, verset 14 à bien. Ou même qui lit Bibou, il faut qu'on ait que Abraham te gagne compte avec l'eau. Abraham te dit l'eau, mon cher, ou grand pile serviteur, grand pile serviteur, tout, t'as gagné raison pour nous, pour nous engoumer, sous l'état à gauche, mal l'état à droite. Et si sous ma droite, même à la gauche. Il dit, nous sommes frères, pas bien avec nous maintenant. Depuis Jésus s'en enlevé, séparation pas obligé de mettre division. On peut la séparer comme on va qui ça. Divisé. Mais en Haïti, nous connaissons, nous avons une culture coupée tête boule. Depuis nous pas bien avec nous, c'est pour tout calique pour boule. Pourquoi on commence à prêcher, non? Il va plus, oui. Mais regardez pour vous, l'air on a un problème malgré Abraham séparé avec l'eau, tandis que ça qui passe. Il a kidnappé l'eau, madame, mais tout bien, il prend un show. Ensemble avec tout le gros nègre qui n'a pas été sauvé de mes gogos. Mais tandis que ça qui passe, 14 ans, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il était considéré l'eau comme frère, malgré ses neveux. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Abraham m'a dit, eh bon boulot, eh bon boulot, m'avais là, m'a fait bon boulot avec lui, m'a comprendre. Tonton, eh bon boulot, m'a dit, ça boulot. Si Abraham était quelqu'un ici, il a dit, m'a dit où même, non? Mais si Abraham était quelqu'un haïtien, il a dit, bon boulot. Il casse la bouche, lui. Il part tant de grand monde. Mais qui ça Abraham fait? Abraham t'a des familles dans le problème, malgré aucun problème, il n'a pas fait. Qui ça le fait? Il met dehors, dérapé, à 318 dans sa vie de lieu. Et il divisa sa troupe. Verset 15, pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, il les bâtit. Et les poursuivit jusqu'à Choba, qui est à la gauche de Damas. Voyez ça, mes amis, comment ça fait fait? Pour trois rois faire coalition, ils ont attaqué l'autre roi dans la ville Sodome. Plus que trois rois, ils ont attaqué roi Sodome et Gomorre. Abraham, pour compter à 318 nègres, ils battent tout derrière. Mes amis, voyez ça, c'est un exemple. Ce n'est pas une grande armée, nous qui sommes le roi. De bon monde qui est bon Dieu avec vous. Vous devez te faire 1000 âmes qui viennent frapper pour une victoire. Oui, vous avez. Et son 27 dit, l'éternel est ma lumière, mon salut, qui aurais-je craint? Même moi ça. Et le sujet parle de que j'ai peur.
Il dit, si une guerre contre le Seigneur contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Il dit, si une armée se levait contre moi, je serais mal brisé la guisa. D'abord, imaginez ampleur bagaille là. Des rois mettant ensemble faire coalition. Ils ont pour victoire sur dans les gourmands. Ils ont kidnappé les gens. Ils ont pris bien les gens. Grenoble a pris 318 nègres. 318 nègres, mes amis. Ils campaient devant toute bonne pile de soldats oisaïo. Ou pas, ils battent et puis ils mettent tout le monde dehors pour rentrer dans le pays. D'accord, on a passé, il y a un grand service de mon Dieu qui est mon Dieu avec lui, il vaut plus qu'on l'armée. On nous tout dit, bon Dieu puissant. Quand on force nous, tandis que ça Abraham fait, verset 16, après pour dire toi sur lui, il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'eau, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. 318 nègres. 318 nègres, oui. Il a attaqué tout le roi qui fait coalition. Abraham à la tête. Abraham reprend tout bien que des volants. Il fait neveu l'eau. Je vais liberté avec tout l'autre monde. Madame Mounio. Et si tout le reste dans le peuple qui est kidnappé. Il fait une liberté. Bon. Ça, une bonne raison que pour ne pas ça. Songez raison. Alors, beaucoup de bonnes raisons, mais songez histoire. Et après ça, continuez ce qui est dans Jean 10. Jean 10, c'est verset 10 à 12. C'est Jésus-Christ qui était appelé par les disciples et enseignement. Et puis, il dit tout par les paroles qui marchent avec le message matin. Jean 10, verset 10, 12. Tandis que ce matin, verset 9 là, Jésus dit comme ça. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Qui s'en va? Et il trouvera des pâturages. D'ailleurs, unis voir avec moi le verset 10 là. Verset 10 là seulement. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. En outre, on dit voleur. Jésus dit comme ça, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et les tuer. Dérober, égorger et les tuer. Il dit, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait ou bien qu'elle soit dans l'abondance. Dans mon noté, l'éclair là, même la Bible a montré que, Gébaraï, on dit, ou pas même dit de qui elle soit parlé. Tout le monde connaît de qui elle soit parlé. Jésus qui se fait référence à voleur là, il a parlé de Satan, le diable. Et, dans 1 Pierre 5, 7, l'apôtre Pierre dit comme ça. Soyez donc sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comment? Rôde comme un lion rugissant. La veille qui monte pour nous faire ça. Pour le dérober. Un autre dit dérober, égorger, détruire. Sauter la dernière fois dimanche matin, on ne t'a pas compris que le diable a une méthode. Les grandes méthodes, les grandes missions. Et méthode, li, c'est pour le dévouer, égorger et détruire. Mission, c'est. Alors, méthode, li utiliser toute qualité ruse. Mission, c'est pour le dérober, égorger et détruire. Et nous-mêmes, avec message, bon, le gens pour nous faire face à lui-même. Gon le Jésus-Christ, il est Simon. Pierre, oui, Pierre. Nous tout Pierre. Boss Pierre. Il est Simon du Malo. Ou appelez ça de là dans Luc 22, verset 33. Il dit Simon, 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 mon nouvel beau. Et je dis, Simon toujours voit une nouvelle, oui. Nouvelle n'est pas toujours réjouissant. Gola, Jésus dit Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Aïe, trop français. Jésus dit Simon, diable là, non. Il réclame, il a aimé pilon en pilon. Tant qu'il y a pile et blé. Il dit, diable avec rasé. Diable avec le créole là. Pilonné. Diable avec le pas beau créole sauvage. Maspiné. Maspiné, ça veut dire maspiné. Bon, ça c'est créole. Si vous parlez créole, very good for you. Il dit, diable avec fini avec vous. Eh bien, aimé. Diable avec lisse, oui. Depuis ce petit bon Dieu, on soulise ennemi. On soulise. Maintenant, on soulise. Nous tous soulise. Parce que l'autre qui te monde là,
Bon Dieu vient nous, Satan vient nous. Satan est l'ennemi des gens de Dieu, des enfants de Dieu, des croyants en Jésus-Christ. Gémon, limite en tête de liste. Tant que nèg pasteur, nèg prédicateur, cap l'ouvrir Gémon avec parole, bon Dieu. Yo dans la ligne de mire, ennemi. Parce que nèg c'est cap l'ouvrir Gémon. Et yo bon bravo. Mais Jésus dit, Simon, Satan vous a éclaté, mais j'ai prié pour toi. Vous pensez que je ne peux pas prier la matinée, je ne peux pas parler de vous. Je ne peux pas prier pour moi. Amen. Regardez, Jésus-Christ dit, Simon, j'ai prié pour toi. Et si Jésus-Christ n'a pas intercédé pour moi avec vous, qui est-ce que c'est? Pourquoi ça s'est fini pour nous-mêmes, oui? Sauté qu'on l'autre a été presque chuté, ou on l'a toujours pas chuté, c'est grâce à Jésus, oui. Sauté qu'on l'autre a été quitté, son pas quitté ça, c'est grâce à Jésus, oui. Soit on l'a toujours dans l'évangile, puis on t'est allé pour te glisser, et pour on l'a toujours, c'est grâce à Jésus, oui. On nous tout dit, c'est grâce à vous, Seigneur. Et pas pour nous qui mettons tout, c'est bon Dieu qui est bon, oui. Et bon Dieu qui est bon. Et puis, verset 5 dit comme ça, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut. C'est bon Dieu qui aime nous parce que nous avons une nature dans nous qui voulait faire nous râler, mais nous n'aimons mon Dieu. Il y a des gens qui ont nous aimé, mais en grand monde, si vous voulez retirer mes lames grand monde, et puis la mettre dans la grand monde pour le monde grand monde, pour le monde la guerre. Va l'être dans nous maintenant, mes bon Dieu. Va l'être dans nous maintenant, mes bon Dieu. Mais malgré ça, mon Dieu, qui ça? Qu'un bénou. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Et si et c'est Satan, oui, c'est Job qui ça. Le voleur ne vient que pour dérober et gorger les tuyaux. Il y a un homme qui l'a dans le service matin, mais ça, il a les poules. Pour qui raison les poules? Pour moi, parce que il y a des gens qui passent dans la vie. C'est voleur qui passe. Le voleur. Et maintenant, c'est ce sujet. Le voleur vient. Le voleur vient. Voleur passé. J'ai une question pour vous ce matin. Que feriez-vous si je vous disais qu'un voleur passera chez vous ce soir? Qu'est-ce que tu as fait si tu as manqué du matin un voleur qui a passé la caillou? Quel est-ce qui t'a dit comme ça? Ah, parce que je t'ai tout paré. Par contre, où mais tu as levé comme Timon Piti dans les années 60? Et en Haïti, tu as une sécurité relative côté que les gens prennent dormi, ils ont. Mais tes chaudières n'importe où. N'importe qui te connaît gros gon et ils vont mettre des chaudières casserole pour que son volet moins importe là seulement bonne chaudière est tombée, casserole est tombée, tout le monde réveille et puis voler courir. Quoi un monde qui songe à ça? Vous songez, c'est un alarme nous ça, oui, nous mettez. Bon, Babdo, nous sommes anciens haïtiens, nous avons le prêchon côté dans l'église Caroline du Sud. Mais on est côté, ça a eu la 600 piles. Et là, ça a pasteur Gary, il était pasteur de l'église là, dans l'église Caroline du Sud. Il a été dormi dans le caille qui est derrière l'église là. Mais côté de pasteur, c'est une grande assemblée, gros la cour. Mais c'est moi seulement qui est dans la caille là. Et puis, je regardé à moins que 500 mètres des gens qui ont des maisons avec drapeau confédéré. Drapeau confédéré, confédéré de flag. Monde qui n'a pas quitté. Raciste. Je sois ça, tout pas passé dans la tête. Je dis, mes amis, même dans le caille là, je ne sais pas qui est dans la caille là. Si on avez un black là, on ne sait pas faire. Et, allez. Je cherche des trois chaudières. Des trois chaudières, mais derrière chaque porte, m'assurer que je prends une chambre qui était tout préféré, d'être là pour garder toute la cour. Et puis moi, je vais un gros bâton baseball qui est en dedans, mettez le bon tête moi. Et puis, me dit comme ça, je me couche et je m'endors. Après, avec les casseroles dans le portio, bâton baseball maintenant, mais moi, je dis quand toi, c'est l'éternel, tu me donnes sécurité. Mais frère, moi, dormir avec bâton baseball là, même, avec casserole sous porte là, parce que je dis que ça ne me pas fait zone là, et confiance. Pas rime parce que tu as même pas à la tour. C'est quand on va rendre qui ça me dit. Mais c'est à Haïti dans les temps anciens. I'm trying to break the ice here. Ce qu'on a voulu passer, on va équiper. Bible a dit premier voleur qui gagne sur le terre, c'est Satan. Premier voleur qui gagne dans l'univers, c'est Satan. Le voleur vient. C'est ce que j'ai mis ça. Le premier voleur dans tout l'univers,
C'est Satan le diable. Jodia, il est dans la même carrière. Il n'a pas changé de profession. Il n'a pas changé de profession. Il continue à voler. Et là, Jésus qui dit, le voleur vient pour dérober et les tuer. Tout le monde comprend de quel est-ce là. De quel est-ce que la paix. Que la parler. Grand pile le jour, mon bon jour et moi. Mais soit on a le voleur, son beau jour. Les voleurs. Longtemps, il a couru des voleurs en Haïti. Tout le monde a couru des voleurs. Mais il dit, bah, les voleurs. Les voleurs ont couru d'elle. Il est entré dans la foule là, tout le monde crie, les voleurs. Finalement, il a couru, il n'a pas même joué une qui essaie d'après les barres voleurs, c'est voleurs dans la mitaine. Il y a un qui dit, est-ce que une carrière Satan dans les voleurs? Regardez, ma propre carrière, couille. Un, tentative de voler le pouvoir de Dieu. Dans le ciel, là, il y a le voleur pouvoir mon Dieu. Ésaïe 14, Ézéchiel 28, il y a un baril, il y a un chute, il y a la guerre dans les lieux célestes. Malgré ça, monsieur voleur, un tiers des anges. Voleur, on nous tout dit voleur. Regardez, ouais, on dit voleur, il faut faire attention. Parce que c'est quelqu'un qui l'a acquis voleur. Des bruits de voleur, on m'a fait zzz. Parce que son mari, son esprit lié. Voleur à son esprit. L'homme qui a volé son esprit fait le voleur. Des bruits de voleur. Et après, esprit a tremblé dans lui. Par exemple, comme pas faut dire ça, comme pas faut dire ça trop. Non, il y a quelqu'un qui a carrément levé, il a quitté le service. Premier barrage, tentative de voler le pouvoir de Dieu. Isaïe 14, Ézéchiel 28, l'appli soit ça. Deuxièmement, vol de nos premiers parents. Tentative de voler l'état d'innocence de nos premiers parents. Et pas tentative de faire le même. Le Satan dans le jardin d'Éden. Bon Dieu mettait Adam et Ève d'un côté. Il crée, il a béni, il a un bon environnement. Satan va menti. Et puis il vole l'opposition. Adam était le représentant fédéral de la race humaine. À cause du péché, Adam et Ève perdent l'autorité. Adam. Tellement Satan vole, on s'en Satan, dans Genèse 6, on vole du code génétique de l'humanité. On ça Satan fait. Satan arrive au point dans Genèse 6. En plus, comment tu as commencé à arriver? Pas tout le monde qui entend dans ce qui passé. Mais il semble que le conseil de démons qui infiltre la race humaine, ils ont fait petit avec femme. Et puis avec ça, ils ont gâté la race là. Satan gâté la race humaine avec l'idée pour que bon Dieu, par exemple, joigne une route pour Jésus-Christ venir sauver l'humanité. Et peut-être ça, bon Dieu, détruit le monde avec le déluge. Bon Dieu prend un échantillon, Noé et sa famille pour recommencer. Satan tellement fort. Par qui compte-t-il pas entrer, non? Dans Genèse 11, on a fait, les bons Dieu créés à Noé, bon Dieu dit, quoi c'est multiplié, remplissez la terre. Satan dit, bah, voler plan ça à tout. Dans Genèse 11, dit comme ça, bon Dieu dit comme ça, quoi c'est multiplié, remplissez la terre, mais même mon plan pas, je vais nourrir ton seul côté. Utilise une équipe nègre qui devrait bâtir un tour. Un tour, la tour de Babel. C'est pas un seul, c'est pas un bâti, c'est pas une construction seulement, c'est ton temple de Satan de pour tout le monde de ton seul côté. Puis ils font un gros niche diable en opposition à Dieu. Et puis la Trinité fait une réunion et dira, oh regardez ça, fait si on mettait tes yeux ensemble, après, oui. Et puis la Trinité, Père, Fils et l'Esprit dit, allons descendons et confondons leur langage. On nous oublie, c'est seul mon Dieu qui mon Dieu. Volant. Satan tellement volant. Les volants une nation. Pabdou, l'on est volant chaudière, c'est volant. Ou volant boutique, c'est volant. Ou volant factory, c'est volant. Mais l'on vole un peuple. L'on vole un peuple, ça c'est que vous avez. Ou connaît ces 70 personnes qui étaient sortis et Canaan qui est allé en Égypte. Alors, pas de Canaan, non. Je ne parle pas de famille qui sont dans Abraham, Isaac, Jacob. Ils sont allés en Égypte. Ils ont émigré en Égypte. Il y a plus environ 2 millions de livres en Égypte. Satan qui connaît que c'est le monde, ça veut dire que Dieu va l'utiliser pour Jésus. On dit ça le fait. Il fait, puis devant, après Joseph mourit, l'Égypte mettait en esclavage pendant 430 ans, oui. L'homme est bien dit, il n'a quoi, il n'a quoi, oui. Il n'a quoi dans la première génération, il n'a quoi dans la deuxième génération, il n'a quoi dans la troisième génération. Et peut-être ça, depuis qu'on y est, on a dit, comment c'est prier sur eux. Dis-moi, bénis tout le monde de première, deuxième, troisième, quatrième et énième génération. Béni, priez sur yo. Parce que si vous ne faites pas plan pour vous, au nom de Jésus, Satan fait plan pour vous tout. 430 ans, dans Exode 12.
Ma poutre je le volant. Parce que plan mon Dieu, c'est pour que Messie a été trouvé, sorti dans la nation d'Israël. Satan fait en sorte que la nation ça va s'en pile misère. La guerre dans l'idolâtrie, en 721 avant Jésus-Christ. Satan fait que la nation qui est plus forte que Israël, que le royaume du Nord, qui emporte la captivité. En 606 avant Jésus-Christ, 586, Satan fait en sorte que l'autre nation, Babylone, empire, qui est plus fort que eux, qui mène en captivité. Pas dit qu'à se causer, non. Si on connaît que Satan, c'est blablabla, blablabla, blablabla. Quelqu'un qui est allé après les Satan chiens. On a dit, bam, bam, bon, c'est qu'il y a un témoin, avant le témoin, il a dit, comme ça, bam, toi, coute en papier, mon chien. De quel est-ce qu'on a parlé, la parole de Satan? Satan n'est pas camarade, non. Regardez, pas grand côté dans la Bible, non, qui dit que nous, plus fort que Satan. Un jeu 4-4 dit, c'est ça qui nous, plus fort, pas nous, plus fort. Depuis nous, pas grand, nous fait, oui. Il dit, ça qui n'a nous, il faut passer ça qui n'a. Mon plan, mais si pas rien n'a nous, nous faisons oui. Même collègue Satan, il y a Satan, il n'a pas le respect, oui. C'est bon, Dieu a des plaintes pour lui. Dans le livre, alors, dans le livre Jude, premier chapitre, Michael barre Satan sous ton Moïse. Ça, Satan a jailli sous ton Moïse, nous ne connaît. Mais Michael vient de là, ça, c'est un bel exemple. Depuis si Satan connaît la bise ton tombe, grand Michael qui a gardé ton nom. Quelque même petit bon Dieu qui mourit, il n'y a pas pour bon Dieu. Même côté enterré à présence, bon Dieu qui ça. Là, où est-ce que Michael dit Satan? Il dit que l'éternel te réprime. Non, bon créole, soit fait là. Ma pote bon Dieu plein de tout. Pas de maïe, quel que soit pour voir Satan, mettre qu'elle c'est bon Dieu. On a tout dit qu'il est bon Dieu. Mettre qu'elle est bon Dieu. Mettre qu'elle c'est bon Dieu. Satan est puissant. Bon, ma résumé, loi dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Regardez ça, Satan fait. Là, Jésus-Christ dit, comme gros volant, on va parler de Satan. On est capable, comment? Dérober, qui ça? Égorger, détruire. Jésus-Christ dit, avant Jésus-Christ dit, Jésus-Christ était comme précurseur qui a annoncé que le temps béni. Jean-Baptiste, nous tout le monde, attendez, soyez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous a, je suis l'enfant de celui qui quitte dans le désert, aplanissez le sang du Seigneur. Satan a souri, dit, moi, avec ça. Je vais quitter le continent par les noms. Il fait en sorte qu'on coupe le fait, il coupe tête Jean-Baptiste. Matthieu 11, vous savez ça? Là, il coupe tête Jean-Baptiste, vous voyez Jean-Baptiste mourir. Et demi derrière ça, tout. Qu'est-ce que Satan fait? Ils font tentative de faire avorter la mission de Jésus-Christ. Dans Matthieu 4, là, il tente Jésus, il dit Jésus comme ça. Et si tu es le fils de Dieu, fais un chouton de paix. Si tu es le fils de Dieu, monte sur tête là, l'agir en bas. Puis il dit que Jésus qui sous tête qui monte à dire comme ça, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Si Jésus qui t'a manqué fait ça, il va exécuter le plan de rédemption pour nous encore, s'il t'a manqué courbé devant Satan, son tentative pour faire échouer le plan de Dieu qui était pour restaurer, sauver l'humanité à travers Jésus. Même le Jésus fait, ce voleur qui a pour mission de dérober Hérode et de tuer, il entre dans Hérode. Qui ça le fait? Il fait Hérode passer l'autre pour tuer tous les premiers-nés. Son façon pour que Jésus n'ait pas passé. Ça ne t'a pas de blague, non? Ou à ville qui se battait là, il vient à Rome. Guillaume dit, pasteur, est-ce que Satan là, vous voulez me répondre bibliquement? Depuis Satan dans le cœur, il là. Depuis dans l'esprit, il là. Dans le livre Job, chapitre 1er, il dit comme ça, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu et Satan vint aussi. Alléluia, ouais. Je me dis, est-ce que Satan dans l'église, depuis vous portez là avec vous, là? Depuis vous portez dans le cœur, dans la pensée, dans l'esprit, dans le motif, là? Mais au nom de Jésus, quel que soit le cœur lié, quel que soit l'esprit lié, c'est l'église où il est, nous dominons l'esprit, ça, dans le nom de Jésus. Quel que soit un homme, qu'il soit presque qu'il soit là, de quelque nom que l'on nomme, Jésus est plus grand pour moi. Regardez. Dans la même entreprise, il y a, dans acte 8, acte 9, l'église fondée, qui ça Satan fait? Satan assure que qu'on négocie les sols, qui a persécuté l'église, qui a mis les chrétiens en prison, battu, Étienne qui était mort lapidé, c'était sol, ou t'es mais ça, le parole, c'est que bon Dieu, pas que mon libère à changer, même sol qui t'a déchouqué les chrétiens, et même les mêmes, bon Dieu, frappé, il dit, moi, ma faute, on église, serviteur. Pas jamais dans le monde, dit, on n'a pas converti. Parce que bon, pas qu'un monde bon, Dieu n'est pas capable de changer. Amen. Mais c'était Satan qui a travaillé aujourd'hui. Lors de l'histoire de l'église, au 1er, 2e, 3e siècle, persécution.
Persécution, oui. L'église subit. On ne voit pas ça juste si on frappe son tel pauvre la ville de l'église. Il dit, oh bon Dieu, la persécution. On dit votre frère, on dit qu'on fait mal. L'album il m'a dit, il y a persécution. Vous avez besoin de sa persécution. Al vivre au premier, deuxième, troisième, si on sa persécution. Quand les chrétiens sont morts, ils ont enterré, ils ont lagué sous tête, ils ont fait bête manger au lion. Dans le Colisée de Rome, pendant un peu, un gros nègre chita, il y a boué. Chrétien, a entré dans la cage. Et puis, dès qu'ils ont affamé, ils ont mangé. Qui ça a demandé et puis ont dit, pour ne pas mourir comme ça, c'est pour dit César est Seigneur. Ils ont dit plutôt mourir, ils ont pas dit parole ça. On dit phrase, oui, c'est aujourd'hui, mon gars a dit, c'est un modèle Seigneur, on ne m'a dit César est Seigneur, mais on dit au Seigneur. Même ça, il n'a pas fait. Il n'a pas gagné de mesure. Il a dit, c'est bon, tu m'as servi. Dans la vie, c'est bon Dieu. Dans l'engagement, c'est bon Dieu. Tout ça m'a fait pour me lever dans mon Dieu. Parfois, tu as dit, mon Dieu, lever Jésus, et puis, oh. Pas bon. C'est pas de l'église à l'homme pour lever la tête, mais on pire. Non, et pas ça, pire. Non, on conduit tout le pire. Si c'est un volant, laisse-moi lever le pire. Si c'est un gros tempérament, un gros collègue, laisse-moi lever le pire. Quel est côté ma fréquenté, laisse-moi lever le pire. Pire, laisse-moi la fin de filmer là, quand il y a dit toute qualité, mot sale, vieille histoire. Et mettez-le dehors, et laisse-moi lever le pire. Pire, et pas que tu as dit, t'es désiré, pire. Pas de problème, non, pour danser. Mais avant dans ces accords, dans ces comportements, dans ces conduites, dans les gens qui vivent là, même si pas quelqu'un qui dit amen, moi je dis amen pour moi. Ces paroles, ça va faire mon plaisir. Il y a un monde qui va matin là, comme ça, l'église a guéri pour lui. Parce que le pasteur n'a pas parlé là, Isa. Alors que hier soir, je me la donne. Écoutez bien, on parle de persécution. Regardez où est Pounia là. Aller en Afghanistan. Mounio c'est notre. Et dans tout, il y a fait service. Dans tout. Parce que Taliban, quand vous voyez, et monsieur, c'est des musulmans féroces, ils sont radicaux. Next, pendant 20 ans, l'Amérique fait derrière là, mesdames, en Afghanistan, ils ont une liberté à l'école, ils ont à l'université, ils ont été capables. Et dans toute activité, l'église est en forme, prend, évangélisation, tape marché. Américains allaient là, talibans ils vont pouvoir. L'école l'ouvre semaine dernière là, talibans disent qu'il y a une femme qui va à l'école. Il y a une femme qui va à l'école. Excepté dans quelques universités, quelques filles qui allaient. Ils disent qu'il n'y a pas l'école, il doit être la caille. Bon, nous-mêmes qui filles qui côté qui va à l'école, nous disons merci côté ma bière parce que quelqu'un qui s'est chargé. Mais ça, c'est la terre. Nègre te conseille une femme à parler l'école. Pour une femme sorti en Afghanistan, dans le pays musulman, vous ne pas sortir souvent un garçon avec vous. Même si c'est un bout de garçon, pas un bout de garçon, mais c'est un garçon lié. Son garçon qui sort avec vous, vous ne pouvez pas sortir. Quel est le problème? Qui est-ce qui est derrière ça? Regardez, Satan a utilisé toute qualité de bagaille. Le voleur, qui devise dit? Dérobé, puis ça, égorgé, détruire. Nous c'est l'église de Jésus-Christ. Regardez, les talibans ont persécuté les chrétiens où il y a, en Afghanistan. Et quel côté en Chine. En Chine, il y a persécuté les chrétiens en pile, quel côté. Nous nous sommes dans un trou. Il y a adoré mon Dieu. Et il a fait interview avec quelques chrétiens talibans. Ils ont connu la persécution, ils ont un missionnaire qui était avec eux. Ils ont dit comme ça, ils n'ont pas de problème eux-mêmes. Si la persécution vient à peu, si on doit mourir, on mourir. Waouh! Si on devient ma chrétien, ça y est. Pas beau ici. Parce que la Bible, non, environnement, côté que mon Dieu va venir, l'église, Paul, mon Dieu va intéresser, je pense que son blague, mon Dieu pas réel, alors que mon Dieu va persécution, il y a en avant soldat de Christ. Ainsi, c'est le contexte, on doit comprendre, Satan son vol. Il me dit, parce que quand on doit aller, mais on va venir mourir. Où est-ce que et n'y a voulu voler tout ça, bon Dieu, mon nom. Livre les vols, l'homme, livre les vols, l'homme. Et c'est par sans raison Jésus-Christ les disciples dans Matthieu 26, verset 51. Veillez et qui ça? Et priez. Prie ça, vous devez veiller et prier. Il dit, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce que ça, l'esprit est bien disposé, mais la chair est comment? Faible. Si ça t'en vole,
faut veiller pour nous. Gen bagay que nous te gagné côté yo fait. Qui est-ce qui prend yo? Monsieur volant tout bagay. Depuis bagay la bon pour le volant. Gen un matin qui vient là, nous bagay la joie. Veillez pour essayer pas le volant. Nous bagay la paix. Veillez pour essayer pas si pas le volant. La caille nous en guerre. Depuis nous sortir, nous sortir en paix. Depuis nous fouiller pied nous la caille. Pour la guerre a commencé. Est-ce que c'est pas le volant? Ma de Satan expert dans le volant. Souvle à l'histoire Job. Ou après ça le fait Job là. Job connaît que le pendant avec Satan. Mais c'est Satan qui est derrière tout. Satan tue tout dispute Job. Satan fait madame Job à parler mal de Job. Dis Job comme ça. Tout était tout dans le jeu. Moi dis mon Dieu, oui. Jusqu'à présent, je ne vois pas dans Job dans la tête. Madame Job dit Job. Moi dis mon Dieu. Oui, moi madame Job. Mais je parle à la femme, je dis ça, écoutez bien. Les gens qui ont fait bon bagage, ils ont pris la vête, ma oui. Et puis laisse ça venir là après. Il dit madame l'Éternel a donné la haute qui ça. Que le nom de l'Éternel soit vraiment béni. Ça t'envoie tout bien, Job. Et laisse ça à l'autre bon Dieu, lui dit mon Dieu comme ça. Moi, je suis là toujours, oui. Et bon, j'ai dit, ah, m'te dou, monsieur, c'est pas parce que me fait bien pour lui la servir, tout le monde qui est même. Satan dit, bon Dieu, comme ça. Bon, c'est bien le seul qui te moyen, sous ta marque qui te moyen même. Satan, bon Dieu, il dit, je vais te la faire, tu as changé, pour pour dire, qui te moyen seul même, qui te prend santé même. Bon Dieu dit, Satan, go ahead. Parce que bon Dieu, on est qui type de serviteur que vous avez. Écoutez, il y a quelques problèmes moi-même avec quoi faire face. Nous ne pas connaître. Mais derrière les doigts, c'est bon Dieu qui a montré Satan ou son vrai serviteur. Alléluia! Bon Dieu a montré Satan ou son vrai serviteur. Satan dit comme ça. Mais regardez-vous, mettez un petit problème en plus. Augmentez du feu dans la ville. Ou après, si tu as quitté ça. Et puis bon Dieu dit comme ça. Eh bien, en nous, augmentez l'homme. Sans bien se réaliser, pas qu'il n'y a rien Satan qui a force si bon Dieu va permettre. Et même les bon Dieu permettent, bon Dieu, qu'on commande à le barrer depuis devant. Parce que bon Dieu, pas bon chat et qu'on pas capoté. Mais nous, on vit pour faire Satan maintenant. On vit pour que nous capables de dire ça. Bon Dieu, suive-moi. Ange, bon Dieu, suive-moi. Moi, vléguez, matcha dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pourquoi vous dites, pasteur? Pour qui sont utilisés l'histoire Abraham? Non. Il m'a pris pour terminer. Qui sont qu'on est qui vivait loi avec Abraham? Non. Abraham, mon situation, mes bien-aimés, il était en paix côté de l'IA. Elle a une nouvelle. Il prend l'eau. L'eau. Et il kidnappe elle. À tout bien. Nous allons tirer quelque chose dans le principe Abraham. Non. Dans ce qui est l'eau. Pour que nous capables de voir que. Laisse Satan voir l'eau, nous qui ça pour nous faire. On est arrêté comme ça. Et Satan voit l'eau, madame. Ou on arrêté comme ça. Satan voit l'eau. Comment le voit l'eau? On sait qu'on arrêté car la changer. Moun qui était les meilleurs dieux, pas encore. Moun qui était avec eux, dit bon, papa le pile, moi non. Et la femme d'Apkemba avec eux, nous venons à tirer, nous allons continuer, non? Moun était là, oui. Moun était là, oui. Parce que je ne suis pas bon pour nous voler. Le gars, vous cherchez. Je dis, grand-père, c'est mon nom. Vous dites, comment se va-t-il prendre tout ça au pape Madigra? On se le comme Madigra. Il faut veiller pour elle. Il est possible que c'est un ennemi qui a fait cela. Il faut veiller. Maintenant, il veut. Certains arrêtent comme ça le vol à Timounio. Timounio, on le fait dans la foi. On le fait dans la prière, dans la grâce, dans l'église. On se le comme Timounio dans le monde pour lui-même. Remarque le monde, barrière avec le monde, boire, fumer, drogue, boire alcool, aller dans le club, aller dans tout sac sale. On dit, mon Dieu, et pas comme ça, me réveiller, ça passe là. C'est un ennemi qui a fait cela. Ou était comme ça, ou pas comme ça, marcher. Ou pas comme ça pour manger. Ou une profession, ou un travail, ou une force. Pas comme ça, il y a qui passe bien. Faut qu'on t'y pose pour dire ça. Il est possible que c'est un ennemi qui a fait cela. Apparemment, père, ou déprimé, ou découragé, il y a quelqu'un qui a arrêté, ou a crié pour vous, ou a crié. Ou
lever dans mitan nuit zoyo chargé de l'eau. Ou sont tous seuls ou chagrin déprimé, des fois qu'il mette tout dit comme ça. Mon Dieu, on est fou. Faut être ton faut poser freiner. Dit comme ça, il est possible que c'est un ennemi qui a fait ça cela. Parce que nèg les Satan ouais pendant m'a parlé là de lui-même. Regardez, logez-moi sous mon ça, logez-moi sous mon ça. Dis Seigneur, couvre ma sœur Jean-Marc. Ou pour quelle raison? Il n'est pas bon pour obtenir par aux ailleurs. Il n'est pas bon pour dévoiler. Il y a quelques problèmes qui sont dans la caille, quelques bagailles qui viennent obstacles, quelques bagailles qui bloquent, quelques mauvaises nouvelles nous tendent, qui peuvent déranger le système familial. Il faut faire un ralenti pour dire où il est possible que cet ennemi qui avait cela. Voleur, kidnappeur, il veut kidnapper joie, il veut kidnapper la paix, il veut kidnapper prospérité, il veut kidnapper sentiment de tranquillité, il veut kidnapper voleur, tout ça qu'a fait ça bien. Depuis la caillou en joie, on dit alléluia, béni soit éternel, et n'y a pas de tout, dit comme ça, ça prend là. Il dit à plus tard, comme vont passer là, avec trop la paix, comme vont passer là, avec trop la joie. Oh oh, gardez monsieur, madame, non, à Zouboudou, ah, comme vont passer là, mon salut, trop tout doux, ti chéri, oh, gardez madame, monsieur, qui a fait manger dans la bouche, li, ma fond passer dans le cara pour me faire madame, non, mettre manger à terre pour lui. Gardez, mettez bavette pour lui. Gardez, monsieur, à manger, madame, non, mettez bavette pour lui. Puis, voilà, apparaître, Kounia. Voilà, faire bavette là, Kounia. À terre. Faut dire, comment se fait-il à table? Kounia, ma terre. À table, à terre. À table, à terre. L'impossible, c'est un ennemi qui a fait. Qui a fait cela? Gon là où nous était fort freiné. Pour dire comme ça, à la guerre comme à la guerre. Fort freiné. Pour dire comme ça, ah, ça est bon, faites lié. Nous sommes en bataille. Nous sommes en combat. C'est bon, vous êtes lié. Dans sac de femme, dans la marque. Nous pas sur un navire de croisière, mais sur un navire de guerre. Femme goumé. Femme goumé. Mais ça là. Souhait ou senti ennemi à attaquer. Et puis, on joue, on perd la bataille. Comment on crie, on dit, on s'accoute bien. On va quitter l'ennemi en pour gagner victoire. Marie, c'est tout serré. Et, mais ça, Abraham, je m'a demandé pour faire tout. Dans Genèse 14, les kidnappés, les volants, tout ça, ils gagnent dans Sodome avec tout le royaume. C'est un nègre qui courit qui vient dire Abraham ça. Et mes premiers points de tir de ça, écoutez les annonces. Écoutez les annonces. Je dis à vous, ça annonce là, message. Si Abraham n'a pas de monde qui devine d'il, mais ça passe là, eh bien Abraham t'a perdu ti neveu là. Même tu es là, tu es là. Quand est-ce qu'on vit l'église? C'est le plus gros mouvement qu'on fait. Parce qu'on entend nos paroles qui nous mettent l'ennemi. On entend nos paroles qui nous mettent l'ennemi en volant. On entend nos paroles qui disent mettent l'ennemi en plein. On entend nos paroles qui nous disent maintenant qui cas qu'on y est, maintenant qui situation qu'on y est, levez bien. Et ça fait l'église bon, puis lui. L'église où levez bien, matin. Ou vin là, c'est parce que bon diable, levez-vous. Levez-vous. Nos problèmes, il est là, ou pas à dormir. Levez-vous. Nos soins, il est là, ou pas à arrêter doucement. Levez-vous. Levez-vous. Écoutez les annonces. Écoutez les messages. Lisez la parole de Dieu. Tendez voir bon Dieu. Écoutez les annonces. Annonces viennent tout le temps. Parfois, c'est un monde qui donne nos bagailles. Parfois, c'est un bagaille qu'on voit. On dit, lecture que je fais là, bah là, pas bon. Ou quand pas même du feu, mais on prend ça de la fumée. Hein? Ou dit, il y a du feu là. Bon jour, elle a carouille. Il faut dire, il y a du feu. Il y a du feu là. Parfois, son ami, son monde, mon Dieu, qu'a utilisé. Pour nous, font-il veiller plus, oui? Font-il veiller plus? Font-il veiller plus? Font-il prier plus? Car il faut écouter, il faut prendre conseil, pas prendre conseil dans les méchants, prendre conseil dans les bons mondes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils qui ça. Des méchants, écoutez les annonces. Abraham, tendez ça passé et l'eau. Et deuxième bagaille que Mabdou, dans Genèse 14, tendez qui ça que dit, côté Abraham, tendez que l'eau a un problème, non. Et l'ennemi passage là, lui dit comme ça, verset 14, Genèse 14, verset 14, dès qu'Abraham eut appris. Que son frère avait été fait prisonnier, qui ça dit? Il arma.
Abraham prend les âmes. Et ce deuxième là, ou n'en cas et niant. Volant. Deuxième parole, vous devez faire, prenez les hommes. Prenez les hommes. Mes bien-aimés, j'en ai vivre ces jours-ci. J'en ai vu l'église ces jours-ci. J'en ai pile dans notre salle, bon Dieu, ces jours-ci. Nous sommes comme nous qui sommes en combat. Nous sommes comme nous qui sommes en vacances. Nous sommes comme nous qui sommes en congé. Satan n'a pas pris congé. Si Satan n'a pas pris congé, moi-même avec vous, pas qu'à prendre congé. Pendant que je prends congé, Satan a frappé. Pas qu'à prendre congé. On a combat, prenez les armes. Impossible de reprendre vos biens sans les armes. Ou pas quand on croise le bois comme ça. Satan a frappé et pour moi on dit comme ça, Jésus connaît. Jésus connaît, Jésus connaît, Jésus connaît. Jésus connaît. Qu'est-ce que ça? Prenez les armes. Matin, on soutenait l'étude. Dans Ephésiens 6, on prend qui ça, les armes. Les armes vous prenez, ce n'est pas les armes charnelles. De Corinthiens 10, dit comme ça, nos armes de combat ne sont pas charnelles. Nous avons combattu avec un ennemi invisible. Nous avons combattu avec un ennemi spirituel. Nous avons combattu comment? Spirituel. Et l'autre dans Ephésiens 6, qui ça dit? Prenez toutes les armes de Dieu. Qui ça, les armes? La vérité pour Saint-Dieu. Mes amis, vérité. Ennemi, attaquez ou fouillez les armes. Prends parole, mon Dieu. L'île, méditez-le, appliquez-le. Dites-le, sous parole ou campez. Pas seulement l'île, mémorisez-le, non, mais pratiquez-le, appliquez-le. Parce que l'ennemi a frappé, son menteur est lié. Seule parole qui vous frappe, c'est parole vérité. Satan, c'est menteur, c'est vérité que mettez dans la terre. Depuis l'ennemi attaque ou. A pas attaquer ou dans le combat, ou elle dit ça, tout côté pour aller, folle dans le cœur, folle dans la pensée ou, folle dans la méditation. Il y a quelques pensées qui viennent dans la tête, non même pour déstabiliser ou, ça parle là pour pousser penser ça. L'ennemi a parlé dans la tête ou, que ma porte victoire sous ou, et ne soyez pas, ou pas sauter la donne, c'est pour que parole pour dire béni, pour parler avec pour dire je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me viendra l'éternel qui a fait les choses à la terre. Et quand toute carte de parole a pris dans la tête ou, non pensez ou, et qu'il faut qu'on ait compris les petites batailles, c'est pour parler à la tête ou, dire l'éternel est ma lumière, et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie, ça, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les troncs. Sinon, mes secondes perdent contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se fait contre moi, je serai malgré cela qui ça. Plein de confiance. L'ennemi, on a secoué porte la vie. C'est pour dire comme ça. L'ennemi, on parle avec vous. Au nom de Jésus, Jésus te dit comme ça. Je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Sous par contre, parole, mon Dieu, comment faites-vous même? Par contre, parole, mon Dieu, pour dire ennemi, où est-ce que le Seigneur l'Éternel, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose qui ça, allons tout puissant. L'ennemi, nous ça, par un guide pour régler, faut qu'il regarde dans des grenier pour dire ça, il n'y a maintenant aucune qui ça, condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et crie Alléluia, matin. Il faut écouter les annonces, écouter les messages, il faut prendre les armes, la vérité pour se tuer. Cuirasse, justice, marcher droit. L'ennemi a frappé et laisse marcher plus droit. Parce que si l'ennemi a frappé en bas et puis ou fâché en haut, l'ennemi a frappé en bas et vous fâché en haut, ou bien vous devez vous cacher, non? Si l'ennemi a frappé en bas, il faut frapper pour cacher en haut. Pour dire en haut, débarquer dans le couchant en tes matin, c'est même côté à ciel là des hommes. Parce que, ou en communion, avec en haut, la vérité pour ceinture. Il parlait concernant la cuirasse de la justice. Marcher droit, pas quitter les trous. Pas de trous dans la manche. Parce que les bien-aimés venant tout, la rentrée. Lui parlait concernant le zèle de l'évangile de paix. L'ennemi a frappé, pas qu'il était oisif. Il faut actif dans le travail de Dieu, actif dans le service de Dieu. L'ennemi m'a raconté son côté, ou pas dans les bibous, ou pas dans la prière. Ou pas dans l'église, et puis mais la finir avec vous. L'onboxeur prend un adversaire, il coince le, non si coin, non, comment on voit, non côté boxeur. Quand il se finit avec lui, pour boxeur pas finir dans si coin, il faut que fonge, il coule sur le coin. Oui. Et bien, il y a un homme là qui n'ont coin ennemi à boxer nous sérieusement. Dodge! Évitez couillon parce que la paix est fière nous! Font-ils
destin glissé. Parce que souhaitement croyant, ça passe. La fin avec vous. Gloire à Dieu, l'église matin. On s'en fait l'église. Vous baissez. Vous êtes dans croyant. Et puis, vous êtes dans croyant. Pourquoi faire ça? Pourquoi commencer à prendre nous? Rangez bout de château. Et puis, dit, comment? En avant, soldat de Christ. On crie en avant. Il faut écouter les annonces. Il faut prendre les armes. Et il parle concernant le zèle de l'évangile de paix. Il parle concernant l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il parle concernant le bouclier de la foi. Ou pas qu'algo avec un mien sans parler mon Dieu avec vous. Et ça, la foi. Et la foi veut dire que mon Dieu avec vous. David et Goliath, tu marches devant moi avec l'épée, la lance et le javelot. Il dit, mais moi, je marche contre toi au nom de Jésus des années. La foi veut dire, moi, pas goumé avec force, moi, m'a goumé avec bon Dieu. M'a goumé avec bon Dieu pour côté moi. Mais bien aimé, non seulement il faut prendre des armes, et troisièmement, joignez une armée. Vous pouvez dire pour quelle raison? Gen goumé ou yé ou pas goumé pour tout. Quand est-ce qu'il s'avère là? Abraham arma, verset 14. Combien il y a armé? M'a couru vite parce que est arrivé. Combien mon armée? 318 de ses plus braves serviteurs. Joignez une armée. Écoutez les annonces. Prenez les armes. Joignez une armée. Même dit parce que qui sac l'armée a? Le combat contre l'ennemi est collectif. Gembaraï koye, formant des renforts. Ce sont des braves qui affrontent l'ennemi. On qui est brave, on qui pas peur. Ils connaissent qui est avec eux. Regardez, ils ont petit bon Dieu, depuis bon Dieu avec vous, ou de devenir qu'ils aillent. Brave! Ils sont braves. Les problèmes campés devant, ou pas jamais de victoire devant le problème, non, soit pas campés devant. Soit couille pour un problème fait carré là. Faut camper devant. Faut camper devant le problème là. Avec puissance, mon Dieu. David, camper devant Goliath. Crème de sang passant. Gagne quelques problèmes ou gagne ces Goliath. Faut camper devant pour couper tête. Mais pas tout problème qui c'est Goliath. Gagne quelques problèmes c'est Saül. David, t'es coupé tête Goliath. Mais Saül, pas de monde qui est capable de manger Saül. Mon Dieu dit comme ça. Quand t'as Saül, moi, comment elle? Même là, David, t'es quelque chose pour tuer Saül. Mon Dieu dit, bon Dieu, David, pas mettre mon souris, c'est moi-même. Qui est là-même. Très bien. Quel problème vous avez, c'est Goliath. Bon Dieu, pas autorité pour camper devant lui. Non, Jésus-Christ gère Goliath. Non, Jésus-Christ gère Goliath. Problème qui c'est Saül. Où est le problème? Si tu as un problème Goliath, tu as un problème Saül. Dans tous les deux, qui est-ce qui a un problème? Ou tu as saisi? Problème Saül, le bigou. Où est Goliath? Problème Goliath. Où est Goliath? Où est Goliath? Vous campez devant, vous dites, bon Dieu, avec moi, on est Goliath. Avec cinq petits roches, pour, tu vois, je tape un go, tombé. Où est le problème Saül? Saül fait carré camper lui-même. Saül pas déplacé. Pour guérir nous, problème nous pas le problème Goliath. Problème Saül nous vient. Parce que problème Saül, ou pas autorisation pour gérer. Même bon Dieu, tout par les problèmes ça. C'est bon Dieu même qui vous gère Saül. On nous dit, c'est un problème Goliath nous même. C'est un problème Saül lui-même. Regardez, je vais voir la carrière. Pour nous quitter dans la carrière, vous allez voir ça. Gardez-moi ça, l'éternel. Abjérez-vous, bon Saül. Bon Saül. Je vais vous dire ça. Ah, bien décollé dans l'église. Abjérez-vous. Ah, vous avez ça. Écoutez, bah là, pissez-vous que ça. Mais bien, écoutez bien. Faut prier pour moi, oui. Quand je me fais mal de femme, je me dis, combien mon église a prié pour moi? Même je connais combien. Pourquoi mon Dieu, depuis que je suis croisé, je dis, parce que je prie pour vous, même côté je suis venu prier. Parce qu'en plus, je m'a menti. Je m'a menti, je m'a prié pour moi. Alors qu'il faut prier pour moi, vous pouvez prier pour moi. Bon, pile message, ça y est, vous obtenez. Et par contre, ça, le message est venu à nous. Bon, pile frère, vous message. Un pile chaleur, oui. C'est pas tout chaleur pour chaque message. Ou t'as saisi, oui. Même je chaque mangeur cuit. Sans bas chaleur, manger cuit. Chaque message, je vous donne sans bas chaleur, message cuit.
Si vous voulez comprendre la loi de la prière, demandez bon Dieu pour aider, comprendre mon Dieu, il faut comprendre. Pas qu'on servit de mon Dieu qui a prêché avec efficacité, pas qu'on chaleur. Et si vous servit de mon Dieu à camper la prêcher, son grâce, mon Dieu, là. Maintenant, c'est grâce qui campe là. C'est grâce qui a prêché là. C'est grâce qui a parlé avec vous là. C'est grâce qui a chez vous là. C'est grâce qui a pas parole là. C'est grâce. C'est grâce lié. Faut prier pour moi. L'apôtre Paul dit que Ephésiens, priez pour moi. Nous devons prier pour l'autre. Maintenant, je ne vais pas terminer ce liste-là. Si tout le monde va prier. Pour me prier pour vous, pour prier pour moi parce que nous sommes en combat. Le combat est collectif. Debout, c'est le corps. Soldats du roi des rois, il faut une armée. Écoutez les annonces. Message, écoutez. Et prenez les armes. Joignez une armée. Vous avez besoin d'église, oui. Et puis, ayez des amis. Ayez des amis. Qui est-ce qu'il y a avec Abraham? Il n'y a pas n'importe nègre, non? Il y a 318 nègres qui fêtent. Serviteur qui fait en Israël. Et pas tout nègre ou calme avec eux. Il y a des gens qui ont mis des gens, mais des gens qui ont mis des gens. Il y a des gens qui ont Abraham mené des hommes braves et des amis. Et pas nous tous qui gagnons des gens qui sont amis. Pas contre des hommes parmi les gens qui ont prêté comme nous. Ils ont des hommes peut-être coup. Pas contre des hommes parmi les gens qui ont prêté radeau, souliers, vernis. Il y a des gens qui ont tellement prêté, même cheveux ont prêté. Ça y est, ça y est, vous avez vu. Si vous avez prêté cheveux, prêté perruque, ça y est, vous avez vu. Parce que, il y a des gens qui sont importants, il y a des gens qui sont intimes, vous n'avez pas prêté ni cheveux ni perruque. Bon, il y a des gens qui prêtent des cheveux, vous n'avez pas prêté vernis. Si c'est sous base à mon ami ou pas mes amis, checker par mes amis, mon l'on a un problème. Cap de en noué, je ne vais pas quitter beaucoup de problèmes. Mon, surtout chrétien, l'on a un problème. Puis on dit, ah, je vais prier, je vais jeûner pour moi, je vais prier pour moi-même. Je vais prier aujourd'hui pour moi, je vais jeûner. Je vais écrire, je vais prêcher ici. Combien de monde fait deux jours pour manger peut-être même? Mais je vais demander l'argent. Mais bouge-moi là, bouge-moi vite, moi, combien comme gagne? 10 dollars, 2,5. 35 dollars. Ok? Regardez, je dis ma photo, on t'y cache dans mon chou. Regardez, écoutez. Je m'en de l'argent. Mais par contre, mon qui l'a dit, parce que tu vas faire des jeunes pour 6 pour 6, juste pour couvrir. Mais ça, il est tellement difficile. Mais on dit, pour la prière, on est pareil. Mon tellement pas de temps. Bon, m'a dit, jeune, mal trop loin. Mais mon petit 15 minutes de prière, mon capacaba, oui. Et m'a terminé pour m'dou. Même si je ne suis pas tout le monde, il y a deux grands monde. Qui nous m'avons, c'est ça que vrai ami. Mon cap prier avec vous. Mon cap prier à minuit, vous dites ça. Mon cap prier à la croix, vous dites ça. Mon cap prier avec vous. Jésus-Christ, lorsque la croix, il prale, il prale, il arrête dans le jardin. Il y a 12 disciples qui marchent avec lui pendant 3 ans et demi. Il passe à mon côté. Jésus, il dit ça. Veille, aide-moi à prier. Il parle à toi dans le piège à Jean. Il dit, aide-moi à prier. Il te pique les yeux. Malgré le Dieu, il vient de dormir. Il a dormi. Il faut des amis. Des gens qui peuvent vous aider à faire quoi? À prier. Mon camino prier. Il y a une façon pour prendre ça et mieux voler. Je ne parle pas de tout qui là. Hommes et femmes, des bagailles qui passent la caillou, des tracas qui gagnent, on nous identifie le matin, c'est ennemi qui passe. Ennemi veut voler l'homme, il vole la peine, il vole la joie, il vole la famille, il vole si moun, il vole madame, il vole mari, il vole santé, il vole travail, mais au nom de l'Éternel, je les taille comment? Yes. Faut qu'on en combat, oui. On en combat. Écoutez les annonces. Prenez les armes, joignez une armée, ayez des amis, mon qui prie, et m'a terminé comme ça. Pour me dire par vos aïeux, et puis m'a fermé avec prière. Gain situation qu'on y est, pas nuit quoi, pas chercher problème, chercher solution plutôt. Je dis, gain quelques côtés en Haïti qui gain puits, et l'on si de l'eau apparaît, plus ou gratte terre, plus de l'eau apparaît, tout plus, puis plus. Ou alors, mon problème, les mêmes avec mon problème, plus on gratte le problème, non? Et plus la compte. Mais ça, le matin, lorsqu'on essaie de mettre à l'heure, suspend gratte le problème, non? Pas gratte le problème, non? Plus on gratte le problème, plus on la compte. C'est pour dire que ça, 7 ennemis qui avaient cela,
Je vais prendre autorité sur l'ennemi. Je vais prendre autorité sur l'ennemi. Et ma gomme écrit, ce n'est pas tout. Il y a un homme qui a une machine. Depuis qu'on a un problème de machine, on lui met dans le dashboard de la clé. Quand on a un problème qui vend, on lui met les mains. Un problème quelconque dans la machine, surtout la machine moderne, n'est pas un petit bagage qui vient, pas de lumière lui-même. Ma gomme écrit, est-ce que chaque lumière qui lui met dans la machine, ou elle met la machine? Depuis qu'on lui met dans le dashboard, vous avez passé. On dit, ah ouais, mais. Si on lumière lui-même dans le travail, ça va faire des photos pour quitter le travail là. Faut gérer le micro avec cela. On lumière lui-même la caillou, gérer le micro avec cela. On lumière lui-même dans le timonio, dans le dashboard, veillez le micro avec cela. On lumière lui-même dans les amis, veillez le micro avec cela. Ou pas couper tel boulet, cherchez le mien. Cherchez le mien. Écoutez bien, bon, je vais terminer le message avec notre positive ça. Bon, ça passe? Abraham allait lui porter victoire et tout le monde rentre la caillou. Et là, tout le monde rentre la caillou, l'eau saute en bas, kidnapping, non, ou entre, bien récupéré. Mes amis, Abraham rencontre sur lui un personnage. Que t'as chambre pour toi? Il y a le nom personnage là, Melchisedec. En tout cas, tu dis Melchisedec. Il nous pose un nom ça, par exemple, qui connaît qui est-ce qui va parler, qui est-ce qui m'a mal. Monsieur, tu as vivre, il y a un côté de Salem, il est à la fois roi et sacrificateur, malgré que il n'est pas fait partie de mon Abraham, monsieur se déplacé, il offrit à tout soldat qui était accompagné Abraham du vin avec pain. Je ne peux pas parler d'études Melchisedec avec vous. Mais en plus, le commentateur dit Melchisedec est son type de Jésus-Christ. Melchisedec, c'est son théophanie, son christophanie, son image du Christ incarné. Mais on est préincarné. Mais on sait Melchisedec fait. On va terminer. La Bible dit comme ça. Abraham offrit la dîme à Melchisedec de toute saleté, de toute richesse. Et puis Melchisedec bénit Abraham. Tandis que ça a été ma petite dernière verset, ça pour me finir. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu, vainqueur, Genèse 14, de Kedor la Homer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, sorti à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, qui apportait du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Tandis que il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré ses ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna qui ça? La dîme de tout. Et m'a terminé comme ça. Vous voulez reprendre tout ça ennemi en prenant la main? Il faut écouter les annonces ou bien messages. Il faut prendre les armes. Il faut se joindre à une armée. Il faut avoir des amis. Puis finalement, il faut des actions de grâce. Regardez, des bagages qu'on est bon Dieu pas le faire pour vous-même. Gain de bagages qu'on va faire, on va bailler mon Dieu action de grâce là avant ou bien on va l'abri. Bailler mon Dieu action de grâce sous base. Comment est-ce qu'on va le faire? Louange pour. Comment est-ce qu'on va le faire? Gloire pour. Comment est-ce qu'on va le faire? Qui ça? Bénédiction, gloire, louange pour même ou même seul. Ou mettre bailler mon Dieu action de grâce sous crédit parce que bon Dieu va le faire. Quoi monde qui croit qu'on va le faire le matin? Abdou, mes bien-aimés, terminé. Matin, mot d'ordre là. Rentrez la caille. Et dis-moi, tout ce qu'on a été pris dans mes mains, m'a repris dans le nom de Jésus. Et depuis avant, ça arrivait même. Rendre bon Dieu action de grâce. Mais qui s'appuie de l'éloigné. Seigneur, même les bagages pour arriver, il dit Seigneur, moi donc merci de faire que mon porte victoire sur l'ennemi. Moi donc merci de faire que santé nous retrouver. Si vous nous apprendrez la caille. Moi donc merci de faire que toute famille entre en paix, en joie, dans le nom de Christ, de Jésus. Moi donc merci de faire que pauvreté a disparaître la caille. Au nom de Jésus. Moi donc merci de faire que tout ça que manie a prospéré. Tout côté pilé a béni. Tout monde qui t'a marché contre moi, il y a pas eu tomber devant moi, il y a pas eu de victoire sur moi dans le nom de Jésus.
Jésus, du Seigneur, nous disons merci. Pas des armes qui forgent contre moi, qui ont réussi. Nous disons merci du fait que malgré nous avons marché contre moi, nous sommes invisibles, invisibles, introuvables, intouchables, inaccessibles, imbattables. Hier, ma prière, quand ça me dit mon Dieu, dans la prière, je dis Seigneur, dans ce que je viens là, je demande au pouvoir ange gardien, moi, commander 318 anges de ton armée et marcher avec moi, combattre ceux qui me combattent et saisir le péché des grands oubliés. Abraham, tu 318, moi, 318 tout. Dans le nom de Jésus, maintenant c'est pour 10 ennemis, même Jean-David, t'es dit Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, mais moi je marche contre toi, qui ça? Au nom de l'Éternel des armées. On nous crie Alléluia! Trempez pour nous prier ensemble. À celui qui sera vainqueur et qui me parce que j'ai prié pour nos serviteurs à la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, nous remercions pour détermination bannie à travers prédication de la parole de Dieu par canal serviteur. Pour nous mettre nos fermes, pour nous prendre tout ça, ennemi en qui prend en nous-mêmes. Mais nous connaissons les salles puissants parce que dans Matthieu chapitre 8, le verset 29, lorsque Jésus-Christ a chassé des démoniaques, il dit Jésus-Christ, es-tu venu pour nous troubler avant le temps?
qui s'agit entre nous avec fils de Dieu? Est-ce que vous venez pour tourmenter nous avant le temps? Vous connaissez ça quand pour l'haïti, pour le troubler l'église. Mais maintenant, pendant nous appelons somme, dans somme 84, verset 12, nous verrons verset ça. L'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Seigneur, nous sommes capables, oui, matin, nous sommes capables. Mais au seul bagaille, nous demandons pour nous pouvoir ça, pour nous marcher dans l'intégrité avec vous. Pour nous intègre par rapport à la parole, c'est toute force nous. Pour nous capables de servir avec parole là, pour servir puissance nous. Pour nous donner grâce, pour nous donner fierté nous là dans un pile moment, Seigneur. J'en nous y a avec parole, nous fait nous perdre force devant l'ennemi. J'en a vive vie chrétienne nous, affaiblit nous. Oh Seigneur, je vous parle avec nous à travers serviteur matin, nous comptons pour nous réaliser, pour nous pas capables de l'eau, non? Parce que l'eau, pendant que son serviteur, bon Dieu, lui qui était concupiscence mène à vivre, côté pour le pas vivre. Non, ni vraiment, comme épître la vie tourmentée, il ne sent-il pas en paix, oui, mais lui était au milieu de Sodome, quand même. Jusqu'à ce que vous venez enlever lui. Aidez-nous pour ne pas retirer au milieu de Sodome. Parce que nous avons des avantages à tirer dans le monde. Éternel, matin, on a prié pour mes serviteurs, mes serviteurs, nous sans force. Tant pis, sauvez-nous. Tant pis, fais parole ça, râlez-nous, rachez-nous. Parce que l'ennemi est en train de nous déjà. Nous n'en mêlons la côté de nous aller. Mais nous connaissons. Capable de déléguer les anges des cieux, ou capable de faire que nous rentrions dans l'ordre pour que nous ne nous paraissions influencés par pouvoir Satan matin. Que bénédiction tombe sous l'église ou matin. Que l'église ou renouvelé dans la parole ou sort parler qui fait nous connaître qu'on volait. Les gens volent, on prend précaution. Les gens volent, on suivait bien, on est bien plus précieux pour nous. C'est bien spirituel, nous. C'est communion, nous, avec le Seigneur. Aidez-nous vivre nos vies qui font plaisir. Et c'est toutefois, t'as nous sous pour nous pas vivre, j'en pour vivre, à lâcher, nous, avec pouvoir. T'as décrit que nous comme ça. Fait que l'église où vive parole, ça. Que l'église où songe passage, là, Seigneur, qui sort de lui. Dans Genèse chapitre 14. Faire l'église songer parole ça au Seigneur pour ne pas oublier. Et faire l'église coller sur son 84, verset 12. Pour ruiner parole là encore plus profondément. Attendez-nous. Nous comptons sur vous. C'est écrit que nous avons pas de péché. Au nom de Jésus-Christ, notre divin sauveur qui veut qui est maintenant. Au siècle des siècles. Amen. Oubliez le son matin à terminer. Écoutez les annonces. Prenez les armes. Joignez une armée, et puis offrez des actions de grâce. Levez-moi vers les cieux pour recevoir la bénédiction. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, les tuer. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit restent et reposent sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent et éternellement. Amen. Allons saluer une lot. Seulement dis-moi notre délivrance au nom de Jésus. Délivrez quelqu'un de matin au nom de Jésus. Bon dimanche et bonne semaine. Salut à tous. Moi c'est Dr Jean-Marc Désiré. Moi venu offrir un ouvrage que moi écrit.
La vérité qui libère, son manuel d'études bibliques et de prédication. C'est un ouvrage qui est conçu pour évangéliser les pécheurs, édifier les saints, encadrer les croyants, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Il couvrit 142 sujets. Le livre a 440 pages. Il est bon pour tout le monde. Les membres de l'Église, les prédicateurs de l'Évangile, les ouvriers chrétiens, les étudiants de la Bible, la vérité qui libère. Jésus-Christ dit « Vous connaîtrez la vérité ». Et la vérité vous affranchira. Vous pouvez placer commande dans un texte seulement qu'on a besoin de voyer dans le numéro ça, 954-515-2669. 954-515-2669. Seulement texter, moins besoin de livre là. Moins besoin de livre là. Et puis, on a bon, toutes les informations qu'on a besoin pour capable recevoir livre ça, la vérité qui libère, qui sont manuels d'études bibliques et de prédication. Donc, c'est Jean-Marc Désiré et moi content pour partager livre ça avec vous.